Un court-circuit. On devrait sûrement pouvoir l'ouvrir avec un coup d'électroquartz. Vous connaissez l'électroquartz? Plus que vous ne croyez. Fouillons un peu. Peut-être que les Crozos m'ont épargné une de ces boutiques. Quand j'ai joué ma première pièce, le Hérald a dit « Un cadavre de baleine s'est échoué sur la scène du théâtre Schubert et l'odeur de putréfaction ne fait que s'accentuer un peu plus chaque soir. À en croire la tribune, mon premier opéra était capable de transformer tous les classiques de Mozart en miaulements inaudibles. Et aujourd'hui, les critiques me reprochent de faire dans l'humanitaire. Si je n'étais pas là pour trouver un toit à ces orphelines, est-ce que ces râleurs s'en chargeraient ? Un artiste a dit un jour qu'il faudrait assassiner tous les critiques. Je me demande si je ne vais pas suivre son conseil. Farandole des prix.
revenez quand vous aurez de l'argent, l'ami. Le rayon des plasmides a l'air d'être par là. Je suis sûr qu'on y trouvera notre bonheur. J'ai besoin de ton aide pour cette serrure. Ça devrait être facile. C'est prêt. Cette tenue, elle a quelque chose qui cloche. Si je veux changer, il me faut un miroir. Je prends en sorte de vous approvisionner. Il s'est passé quoi ici? Elisabeth? Pas de soucis. Et voilà. Parfait. Ryan a-t-il enfermé les hommes de Fontaine dans un grand magasin? Il lui fallait bien un endroit où les boucler. Pourquoi ne pas faire taire la compétition du même coup? Je croyais qu'Andrew Ryan était fasciné par le libre marché et la compétition ouverte. Toutes ces belles idées perdent de leur attrait quand les chiffres du trimestre arrivent et que la concurrence vous double. Quoi qu'il en soit, Fontaine est mort. Pas seulement de la patinoire. Ah,
réaction des injections. Ça va passer en un même temps. Plus bas que plasmide bien choisi. Vous voulez me remercier ? Esquivez un peu. C'est très douloureux, je vous assure. Mais ça vous rendra plus coriace. Plus évolué. Surhumain. Faites pas semblant de pas me reconnaître. Monsieur DeWitt, le plasmide. Vous avez oublié ce qu'on fait ici? C'est fermé. Elisabeth! Sérieusement? Ce tout petit verrou? C'est fait. Bon sang, ce salopard s'est bu toutes les bouteilles d'hiver d'antan sans rien laisser. Je peux vous aider. Oh! C'était quoi? C'est un... nouveau plasmide. Je peux faire apparaître des choses qui existent, mais pas vraiment. Je suis pas sûr de comprendre. Ça s'appelle comment ? Faille. D'où vous le sortez ? Vous ne voudriez quand même pas connaître tous mes secrets, monsieur DeWitt.
nettoyer sa salle de bain et elle s'en est même pas aperçue. On pourrait presque manger par terre, bon sang. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Pourquoi? Très bien. Je sais que le client est roi, mais j'irai pas plus loin tant que vous ne me donnerez pas quelques réponses. Mon objectif ne vous regarde pas. Considérez-moi comme un instrument. Alors pourquoi j'ai l'impression de me faire avoir? Je vous l'ai dit, je suis dans le recouvrement. Mes clients m'ont demandé de régler une histoire d'arriéré. Ça n'a aucun sens, c'est tout. Si notre accord ne vous plaît pas, reprenez donc la bathysphère.
fallait s'arrêter là. Pas vrai, Ryan? Mais tu n'es pas invincible. Loin de là. Tu as la farandole des prix pour vendre tes produits, des systèmes de sécurité pour protéger ta propriété. Tu crois qu'ils t'appartiennent, mais tu te trompes. J'apprends petit à petit à retourner tes créations contre toi. Et je te promets une chose, les balles de mitrailleuse ne rebondiront pas sur toi. Expliquer tout ce que vous avez fait de stupide, vous. Elle veut me rendre visite. L'air paumé. Je sais pas ce qui m'a pris. J'aurais dû me douter qu'elle partirait plus. Comment l'avez-vous perdue? Mêlez-vous de vos affaires. Chez vous qui va pas. Je vous vois mal venir à Rapture. Vous êtes pas trop du genre. Si vous voulez dire que je ne suis pas du genre à rejoindre le petit club de Ryan, c'est vrai. Ce n'est qu'une autre bande de fanatiques adeptes d'un autre livre. C'était au jeu. Pardon ? C'est comme ça que j'ai perdu Sally. Au jeu. J'aurais jamais dû l'emmener là où je l'ai emmené. Mais je gagnais. Dans un endroit pareil. Faut garder un œil sur son enfant. Et pourtant... Ouais, et nous voilà. Mais la question essentielle, c'est... Qui est-elle pour vous? Disons que j'ai tout intérêt à vous réunir. Est-ce que ça ne vous suffit pas? J'espère que Cohen disait vrai, et que c'est bien là que nous allons trouver Sally. J'ose à peine imaginer ce que doit vivre une enfant dans un endroit pareil. Cohen est bien modifié. Il a dû se dire qu'une enfant en prison, ce serait une forme d'art. Nous devons la trouver au plus vite. Sally! Toi! Papa!
vois pas. Qu'est-ce que vous faites ? C'est un schéma du système d'aération. Il y a d'autres manches à air comme celle-ci. À l'électronique, au bistrot, aux reprises, à la librairie et aux appareils ménagers. Si elle est là, elle ne peut sortir que par 6 manches à air. En les fermant et en augmentant la chaleur, elle sera obligée de sortir par l'échappement central. Il n'y a pas d'autre issue. Vous voulez la faire brûler ? Non, je veux juste qu'elle ait trop chaud pour rester dedans. Non, impossible. Écoutez, soit on la trouve, soit on la laisse au Creusot. Très bien. Où sont ces manches à air ?
maintenant. Et voilà. De salive contient des millions de bactéries. Est-ce qu'il s'est brossé les dents? Et s'il avait touché une poignée de porte avant de mettre les doigts? C'est un fourneau radar. J'ai jamais compris si ce truc était censé cuire une dinde ou un chromosome. La porte est fermée par un code. Nous n'entrerons jamais si nous ne découvrons pas lequel. Que les gens vont manier les sessions possibles.
Étude du phénomène inconnu numéro 17. Le phénomène... Okay, on continue. Scintillement étrange à travers lequel on peut observer quoi? Des hommes avec de drôles de chapeaux, des femmes en grande robe, des bâtiments qui flottent. Ce phénomène est-il une fenêtre vers un autre monde? Ça risque pas d'arrêter ce gros salopard. Si le temps existe, c'est uniquement pour que tout ne... Est-ce qu'ils peuvent bien avoir aussi peur? Une chose bien pire qu'eux. Quelle chose, au juste? Vous le saurez en la voyant. Ça devrait être facile. C'est prêt. La musique. Même tes parents se tiennent bien. Vraiment. Je ne sais pas si elle était dangereuse ou juste folle. La prochaine fois, je demanderai. Qu'est-ce que c'est que ces manières?
attendez. Sally ? Sally, c'est moi, Booker ! Allez, montre-toi un peu. Sally, chérie, tu m'entends ? C'est moi, Booker ! Écoute-moi, chérie, sors de là tout de suite ! Oui, elle ne viendra pas. Refermons les autres manches à air. Il n'y a que ça à faire. C'est la dernière. Où est l'échappement ? Dans le rayon des jouets. Elisabeth ? Thank you.
augmenter ce thermostat. Nous n'avons pas le choix. Le thermostat est là. Augmentez la chaleur. Je refuse de la brûler. C'est la seule manière de l'amener à nous. Si vous refusez, je le ferai. Vous n'avez qu'un mot à dire. Allez-y. Pardon ? Allez-y, montez le thermostat. Entre les doigts. Sally ! Sally, viens me voir ! Ça ne marche pas ! Je vous l'ai dit, elle arrive ! Votre plan ne marche pas, arrêtez ! Si j'arrête tout, ça ne pourra pas marcher ! Il faut que vous arrêtiez ! On lui fait du mal ! Là ! Sally ! Sally ! Sally, c'est Booker ! C'est moi ! Sally, je suis venu pour te sortir de là. Sally ! Sors de là ! Tout de suite ! Sally... Non ! C'est Sarah, hein? Elle est venue te voir. On va rentrer. Est-ce que tu veux rentrer? Te débats pas. Je t'en prie. Je suis là. Je veux juste te ramener. Je veux juste. Vous lui faites mal. Venir avec c'est moi. Pas votre enfant. Elle est à moi. Laissez-la. Laissez-la. Elle est à moi. Arrêtez. Arrêtez la machine. Arrêtez la machine ! Arrêtez-la ! Je me souviens. Je me souviens de tout. Oh, pauvre enfant. Elle n'était pas à vous. Comstock. Non. Je ne l'étais non, pas. Non. Et malgré cela, oh, non. Vous m'avez prise, n'est-ce non, pas? C'est pas possible. Mais vous non. vous sentiez coupable. Non. Alors, vous êtes venu chercher notre aide. Vous vouliez un endroit où vous pourriez oublier. Où Anna n'aurait de toute façon jamais vu le jour. Comstock n'a jamais su assumer ses erreurs.